Précédemment dans Swarg, Choub se sent responsable de l'accident d'Anche et de Gayatri. Sa famille tente de le réconforter. Choub, mon frère, c'était un accident. C'était de la faute de personne. Tu comprends? Kali Singh sermonne sa femme et Munim. Choub découvre avec stupeur qu'il s'agit d'un sabotage et non d'un accident. Qui en est l'auteur? Le mystère reste entier. Voyons ce qui se passe ensuite. Qu'est-ce qui se passe? À quoi tu penses? Je ne comprends pas, papa. J'ai parlé au mécanicien. Il a regardé la voiture et il a dit que le tuyau des freins a été percé. C'est pour ça que les freins ont lâché. Comment c'est possible? Cette voiture est neuve, pas... Papa, elle sort de chez le concessionnaire. Je ne comprends pas, papa. Quelqu'un aurait saboté les freins. Saboté? Non, enfin, fiston, personne ne pensera faire une chose pareille. Je crois plutôt que le concessionnaire a mal fait son travail, qu'il se couvre. Ce sont tous des filous, tu sais. Ne t'inquiète pas. Quand Dieu sauve quelqu'un, il est protégé. Personne ne peut le tuer. Et toi? Tu as déjeuné, non? Tu vas travailler? Oui, papa. À ce soir. Béni soit banquet, Bihari. Yeah! Allons-y, venez. Monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bonjour, bien, merci. C'est la première de la journée, monsieur. Tenez, je vous en prie. Tu les veux? Choub, tu vas leur expliquer tout notre travail. Tout le fonctionnement. Je dois aller m'entretenir avec des clients. D'accord, papa. À tout à l'heure. Bonjour, Choub. Bonjour, Pierre et Mohan. Alors, je vais vous présenter à tout le monde. Tu plaisantes, là? Tu crois peut-être que je vais lâcher mes confiseries avant d'avoir fini? Montre les bureaux, Arjun, je vous rejoins. Et puis moi, je mange. Au boulot. Bonjour. Bonjour, messieurs. C'est chouette, hein? Arjun, qu'est-ce que tu penses de ce bureau? C'est magnifique. C'est vraiment immense. Super. Je suis bien content qu'il te plaise. Arjun, on se rappellera de cette journée. À partir d'aujourd'hui, ce bureau, ce sera le tien. Quoi? Mon bureau? Oui, Arjun. Toutes ces années, papa et moi, on a géré l'entreprise à l'instinct. Et comme tu viens d'avoir ta maîtrise de gestion, eh bien, ce qu'on aimerait,
c'est que tu travailles avec nous, au développement de l'entreprise et qu'on l'amène vers le succès. Papa attend beaucoup de toi, tu sais, Arjun. Il est impatient. Et je suis sûr que tu dépasseras toutes ses espérances. Hmm? Qu'est-ce que tu as? À quoi tu penses? Non, tout va bien. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Bandy, bienvenue. Satya Narayan. Bonjour. Je vous présente Govardhan Pandey. Enchanté. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Il est marchand de tissu à Mathura. Monsieur Pandey, voici Satya Narayan Tripathi. J'ai tellement entendu parler de vous. Je suis très chanceux de pouvoir faire votre connaissance. Non, monsieur, le plaisir est pour moi. Allez. Merci. Asseyez-vous. Oui, je vous en prie. Merci. Satya Narayan, j'ai apporté une photo et le parcours scolaire de la jeune fille. Elle est très cultivée. Il me reste juste un détail à vérifier. L'harmonie astrologique. Je vous en prie. Attendez, messieurs. Est-ce qu'on peut... J'aimerais... Avant d'aller plus loin, et si c'est possible, j'aimerais préciser quelque chose. Allez-y, je vous en prie. C'est mon fils Shub. Ok. Sommes-nous en train de parler de son mariage? Oui. Vous... Je suis au courant. Je sais, Satya Narayan. Pas de problème. Son handicap n'est pas une découverte. Avant de venir, Pandit m'a expliqué ce qu'il en était. Sincèrement, ne vous inquiétez pas. Parce que dans ma famille, on apprend à respecter les gens tels qu'ils sont. C'est exact. Je crois qu'on ne peut pas juger un homme. Oui, de quel droit? Sur son apparence physique. Et on m'a dit que Shub est un brave garçon, qui a très bon cœur. Un garçon éduqué. Il en existe un sur un million. Satya Narayan. Ma fille aurait vraiment beaucoup de chance si elle l'épousait. Un jeune homme comme votre fils. Je vous remercie. Merci, monsieur Pandey. Vous êtes un homme d'une grande moralité. Ça sera pour nous un honneur et un plaisir que votre fille fasse partie de notre famille. Merci. J'en suis heureux. Mais qu'est-ce qu'on attend, Satya Narayan? Les deux familles devraient se rencontrer au plus vite. Et les deux jeunes gens pourront faire connaissance. Oui. Nous allons organiser ça chez moi. Je vais arrêter une date avec ma femme et je vous appelle très vite. Avec joie. Alors, à bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Yashoda, chérie. J'ai trouvé une jeune fille très bien pour notre fils aîné. Grand-mère? Cette jeune fille est très jolie. Est-ce que tu veux voir sa photo? Fais voir. Mon Dieu! C'est vrai qu'elle est jolie, cette petite. Elle a l'air d'une jeune fille bien élevée et posée, hein? Fais-moi voir, grand-mère. Moi aussi, je veux voir à quoi elle ressemble. Trop belle!
Oui, elle est magnifique. Waouh, elle est mignonne. Bendy, j'en connais un qui devrait être content, hein? Tu veux regarder? Tiens, jette un coup d'œil. Alors, elle te plaît? Ben oui. Eh ben alors dis-le. Mais je te le dis. Est-ce que tu pourrais le redire avec le sourire? Bon, oui, elle me plaît. Ah, ça y est. Tu devrais sourire de temps en temps. Ça te va très bien. Comme c'est bête. Si tu m'en avais parlé, Yashoda, je t'aurais trouvé une jeune fille avec plus de classe que cette jeune personne. Et toi, Tachi, est-ce qu'elle te plaît à toi? Beaucoup. Tu crois qu'il va bien vouloir l'épouser? Chef est toujours d'accord avec toi, donc il a une copine. Tu ne crois pas? On en aura la confirmation quand Shub rentrera du travail. On a fait un bon chiffre aujourd'hui. Pourtant, la journée s'annonçait mal. Que s'est-il passé avec cette commande? Ange, ils viennent de rentrer. J'ai parlé avec Monsieur Choukla. Ah, ils sont là. Là, on va s'amuser. Il a dit qu'on serait livré demain. Très bien. Aujourd'hui, on fait la fête. On doit célébrer cet événement sacré. Quoi, grand-mère? Qu'est-ce qu'il y a? Viens par ici, on va te montrer. Oui, viens t'asseoir. Allez, viens. Allez, il vaut mieux que tu sois assis. Non, mais... Assis-toi. Expliquez-moi ce qui se passe dans cette maison, hein? Chub, je me lance. Tu nous as beaucoup donné et nous rien. Le jour est venu. Arjun, vous êtes mes deux frangins. Attends, ce cadeau, tu es obligé de l'accepter. C'est loin d'être un cadeau ordinaire, figure-toi. Tu ne pourras pas l'échanger. C'est une blague? Toi, maman, dis-moi, je comprends rien, là. Ladies and gentlemen, maman, papa, grand-mère et tous les autres, j'ai une annonce importante à vous faire. Oui, d'une importance capitale. Comme c'est bon de penser au bonheur de ceux qui arrivent aujourd'hui. Arjun, arrête ce numéro. Le suspense a assez duré. Expliquez-moi de quoi il s'agit maintenant. Attention, attention, attention. Le mariage de quelqu'un est dans l'air du temps. Et pour fêter ça, on va ramener des confiseries de l'entreprise. Maintenant que la fête commence, on va mettre de la musique et on va danser. Assez vous autres. Regardez-le. Le pauvre, il est rouge comme une tomate. Je crois que Choub est ému. Elle commence seulement à réaliser. Ben tiens, le beau-frère s'est mis, on n'a pas fini. Mais attends, il a besoin de mes explications. Fiston, nous t'avons choisi une demoiselle. Son père est venu me voir au bureau. C'est un homme vertueux et honnête, éduqué. Il viendra nous présenter sa fille demain. Vous aurez le temps de faire plus ample connaissance. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, tu sais, maman, elle a même une photo d'elle. Elle est belle. Regarde, voici la jeune fille. Elle s'appelle Jaya. Tu peux la regarder? Je te préviens, Tati est séduite par la demoiselle. Très bien. Je n'ai pas besoin de la regarder. Tu connais mes goûts mieux que personne, alors... C'est avec plaisir. Je la rencontrerai. Regarde-la au moins et arrête un peu de rougir. Papa. Maman. Vous m'avez toujours donné de précieux et sages conseils. Je ferai ce que vous me recommandez. T'as pas vu la photo, idiot? Maman, la journée était longue. Je vais aller me reposer.
Regarde Chou. La photo au moins une fois. Mais quel timide celui-là. Regardez comme il file droit. Il est mal à l'aise. On a été trop dur. Il est tout rose. Tu verras sa photo ce soir, quoi qu'il arrive. J'ai invité cette jeune fille et sa famille à la maison sans t'en parler. J'espère que tu n'y vois pas d'inconvénient. Non, papa. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ce n'est pas le moment. Arjun vient à peine de rentrer des États-Unis. Il faut lui apprendre les rouages du métier. Je crois que le mariage peut attendre. Fiston, il faut que tu saches que dans la vie, il y a un temps pour tout. Tu dois te marier. Ton mariage n'affectera nullement le fonctionnement de l'entreprise. Shubi, l'homme et la femme se complètent l'un l'autre, tu comprends? Ça me rappelle quand je suis tombé amoureux de ta mère à temps jeune. Ça a été si soudain. Et tu vois, on a fondé notre petite famille. Et on est heureux comme des rois, tu vois? Je voudrais que tu connaisses un tel bonheur. Je voudrais que tu trouves quelqu'un qui t'aimera éperdument, qui soit une source d'inspiration éternelle et qui saura te rendre heureux. Et qui t'aimera. Tu vas rencontrer la demoiselle et tu me diras ce que tu en penses. Si elle te plaît, eh bien, on organisera le mariage sans plus attendre. Oui, papa. À la bonne heure. Bon, maintenant, va te coucher, il est vraiment tard. Bonne nuit, papa. À toi aussi, Shubi. Mais où est-ce qu'il est ? Bloquez-vous. Je suis sûr que c'est Arjun et Gayatri qui ont fait ça. Vraiment en bonne voie. Il ne voulait pas voir la photo et maintenant il sourit. Mmh. On va le voir, c'est bon. Ouais. Allez, c'est bon. À l'attaque ! Surprise ! Qu'est-ce que tu fais de beau ? Alors, t'es conquis ? T'étais pas emballé, j'ai remarqué. Et maintenant, on a le droit à un sourire, c'est ça ? Il se comprend à la photo comme un malade. Dire qu'il ne voulait même pas y jeter un coup d'œil, c'est andouille. Taisez-vous, je peux encore vous mettre une bonne fessée. Notre belle-sœur nous défendra. Et moi, je serai son préféré. Pas question, ce sera moi ou personne. Tu rêves, c'est moi le plus beau. Oui, mais comme je suis le plus jeune, elle va me bichonner. J'en suis sûr, je serai son préféré, tu peux me croire mon frère. Ah oui. Non, ça sera moi. Non, ça sera moi, tu peux me croire. Ça sera moi. Non, mais... c'est bon, arrêtez. Arrêtez de vous chamailler, bande d'andouilles. C'est un peu tôt, je ne la connais même pas. Pour être honnête, je ne sais pas, je pige pas comment on peut se marier avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu de sa vie. C'est hallucinant. Et c'est pas en une seule rencontre que tu vas la connaître. C'est pas assez. Je reviens.
Allô? Comment tu vois ça? Moi aussi, je veux savoir. Ça m'intrigue, figure-toi. D'accord. La première fois qu'un homme et une femme se voient, ils discutent et apprennent à se connaître. Ils s'observent et essayent de se comprendre. Ils regardent s'ils parlent le même langage, s'ils ont des goûts identiques. Ils se demandent si ça va marcher. Et pour le reste, eh bien, ils ont toute la vie pour le découvrir. On peut aussi tomber amoureux après le mariage. On a partagé des joies et des chagrins. Et surtout, on a appris à se respecter. C'est à ce moment-là que l'amour surgit. De toute façon, dans toutes les relations, on doit faire des compromis. Si j'étais toi, moi je sauterais sur l'occasion. Ensuite, c'est Arjun qu'on va marier, et après, c'est moi. Mais si je pouvais, je me marierais dès maintenant. Commence par terminer tes études, gros malin. Mêle-toi de tes affaires. Ah, mais on dirait que j'ai touché un point sensible. La ferme. Arjun. Oui, quoi? Je voudrais te parler. Dans une autre pièce. Si tu veux, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est à toi de me le dire. Qui t'a téléphoné? Oh ça, c'est quelqu'un sans importance que je connais. Une simple connaissance. Ça, c'est ce que toi, tu dis. L'expression de ton visage te trahit. Et même, ce matin déjà, je l'avais remarqué. Je pensais qu'en découvrant ton bureau, tu serais heureux. Tu caches quelque chose. Ton silence ne me dit rien qui vaille. Dis-moi ce qu'il se passe. Arjun. J'ose espérer que... tu n'as pas fait quelque chose qui embarrasserait notre famille. Mon maître et Dieu sont devant moi. Les pieds duquel dois-je baiser en premier? Je devrais baiser les pieds de mon maître, parce que c'est lui qui m'a permis de trouver Dieu.